Bonjour, bonjour. J'avais l'intention de faire une seule revue, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié des items qui sont très chers à mon cœur, donc j'ai comme pas le choix de faire une version 2 de ma petite revue là, de ma collection. On va commencer par ce petit coin-ci que j'avais oublié. On voit ici un Reveal the Shield. Optimus Prime, monté avec l'upgrade kit Battle Tanker de Make Toys. Vraiment une belle addition. Je sais pas si je vais le garder, mais quand même, c'est une vraie belle addition. Par la suite, on a une RC Make Toys. Vraiment incroyable. Ça vaut chaque sou que j'ai dépensé pour elle. Après ça, on a un superbe Drift. Et ici, on commence plutôt dans ma série Wreckers, si on veut. Je sais que Griff, c'est pas officiellement un Wreckers, mais on le voit souvent avec eux autres. Fait que je l'ai mis dans la même gang. Ici, on a un Tomahawk qui ressemble beaucoup à un Rotostorm. Donc, dans ma série, dans ma collection, ça se trouve être un Rotostorm. Par la suite, on fait ça. On a les Ground Hammer, comment est-ce qu'ils l'appellent eux autres? Ground Hammer Battle Group, je pense, de quoi de même. Dans le fond, c'est les deux jumeaux qui sont supposés représenter Rack'n'Rule dans les Wreckers. Dans le fond, c'est des belles figurines, mais je dirais que ça vaut pas le prix que j'ai payé pour ça. Par la suite, là on tombe plus dans vraiment là, mes favoris. On parle du site ici de Impactor, de Make Toys Spartan. Par la suite, on a le merveilleux, probablement une des plus belles figurines Hasbro, le merveilleux Springer. Par la suite, on a un cop, un bon vieux cop. Un KFC Perceptor. Ça me semble c'est Perceptor. Excusez-moi pour les blancs de mémoire. Après ça, les deux jumeaux Top Spin puis Top Spin puis j'ai encore un trou de mémoire. Par la suite, on a un petit custom Guzzle. Puis ici, on a un Iron Fist fait par Make Toys. Make Idea. Je crois que c'est une compagnie de sœur de Mastermind Creation. Puis vraiment, un petit personnage, vraiment le fun. Très, très cool à transformer. J'aime bien ça. Je l'ai bien aimé. Après ça, un scoop Hasbro. Voyons. Sandstorm. Le Wheel. Après ça, le Fan Project Revolver. AK Roadbuster. Et on a un dernier personnage ici. Encore du Fan Project. Dans le fond, c'était ma série Wreckers. Désolé de l'avoir oublié pour les gens qui m'en avaient parlé. Donc, les voilà. Ce sera pas plus long que ça. C'est un petit 3-4 minutes juste pour m'excuser d'avoir oublié cette série-là. Fait que, mais là, ça met vraiment fin à ma collection. Donc, si vous avez des commentaires positifs, tant mieux. Si vous avez des commentaires négatifs, oubliez-les. Puis, un gros merci d'avoir écouté ça. Bye bye.